Donc, regarde, les jokers. Soit c'est amusant, trois jokers. Regarde, ils sont assez spéciaux. Si je prends un joker et si j'en libre, en claquant des doigts, bah, tu vois, le joker revient. Là, je vois ta main comme ça. Bouge pas. Regarde, si je passe dessus, toc, j'ai un deuxième joker qui se retourne. Je peux voir ton autre main? Là, j'essaie de prendre un truc encore plus sympathique. Si je prends un joker, je le retourne, je fais 1, 2, 3. Et là, waouh, on a ici 2, 6. Et si j'ai 2, 6 noirs ici, c'est que toi, tu as le troisième. Et le quatrième 6. Regarde, je défile les cartes comme ça. Et quand tu veux, tu me dis Stop. 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 Tu prends celle-là. Et on va prendre également celle du dessous. Deux cartes choisies. Tu peux les montrer à tout le monde. Tu les glisses dedans. Hop là. Pour retrouver tes cartes, je vais utiliser les jokers. Parce que les jokers, tu sais pas, ils sont un petit peu magiciens. Il n'y a pas beaucoup de magiciens jokers, mais ils sont magiciens. Okay. Si je prends le joker, si je le retire, en claquant des doigts, il m'en fait pour ça que le joker revient. Tiens, tu crois que t'as mal tout ça? Regarde, si je passe ma main au-dessus du joker, tu as un deuxième qui se retourne. Tu me diras, j'ai pas encore retrouvé ta carte. Alors pour trouver tes cartes, il faut juste les mettre face à face, une fois, deux fois. Claquer des doigts, et là oui, on a bien le 6 de trèfle, et on sait bien ces deux cartes-là. Tout à fait. En tout cas, si le tour t'a plu, je peux dire qu'une seule chose, applaudissez. Merci!